pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élevons, éternel et Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence encore ce soir. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de ta vie. Merci, Saint-Esprit, de nous faire du bien. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Toi, l'Esprit de vérité, toi, l'Esprit de grâce, toi, l'Esprit de faveur, toi, l'Esprit de louange et d'adoration. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons. Ô Maître du ciel et de la terre, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta présence, au nom puissant de Jésus. Merci de combler nos vies de ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Pasteur Blandine, Maman Marika, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa bonté. Nous allons élever nos voix pour bénir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Élevons nos voix, bénissons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous combler de toi. Nous nous attendons à toi. Toi l'Esprit de vérité, toi l'Esprit de grâce et de faveur. Cher Saint-Esprit, merci d'inonder nos vies. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Comble nos vies de ta vie, comble nos vies de ta présence, au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Nous élevons nos voix vers toi et nous te bénissons. Toi, l'Esprit de vérité, toi, l'Esprit de grâce et de faveur, toi, l'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, comble nos vies de ta vie, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta direction. Alléluia. Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous. Nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous combler. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir de toi-même au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous louons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Cher Saint-Esprit, inonde nos vies. Cher Saint-Esprit, comble nos vies de ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de nous combler de toi. Merci Saint-Esprit de nous fortifier au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. L'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Merci d'inonder nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier, bien-aimés, ce soir. De longue, nous lèvons-nous. Lèvons-nous comme une armée puissante, bien-aimés dans le Seigneur. Lèvons-nous comme une armée puissante. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on dit, bien-aimés, lèvons-nous. C'est-à-dire, ne restons pas endormis. Ne restons pas dans la léthargie. Bien-aimés, ne restons pas dans une position où nous subissons. Lèvons-nous comme une armée puissante. Nous sommes l'armée de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai pris, bien-aimés, cette exhortation de Joël. Joël 2. Alléluia. Bien-aimés, Joël 2, à partir du verset 1, regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Joël 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est dit, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sous ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, le jour des ténèbres d'obscurité, jour des nuées de brouillard, il vient comme l'aurore. » Se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu,
et qui n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À le voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes. Où ils bondissent, on dirait un petit mât de la flamme du feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Alléluia. Oui, vous bénissez dans le Seigneur. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Comme une armée puissante. Quoi, je disais, bien aimé, tout à l'heure, lève-nous, bien aimé, comme une armée puissante. Parce que, bien aimé, nous sommes recrutés, bien aimé, dans l'autre sens pour les combats. Alléluia. La Bible, bien aimé, dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Le verset 4 de Joël 2 nous dit, à le voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Là, bien-aimé dans le Seigneur, on parle bien sûr des sauterelles, n'est-ce pas, bien-aimé, cette armée ennemie qui vient pour les jugements. Et le verset 5 dit que, à les entendre, on dirait un bruit de char sur les sommets des montagnes où ils bondissent. On dirait les pétillements d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez que Joël ici, bien-aimé dans le Seigneur, il parle, c'est vrai, de que les jours du Seigneur n'est pas loin, bien sûr. Vous voyez, n'est-ce pas? Que le jugement, le jugement est là. Le jugement, bien-aimé dans le Seigneur, s'approche. Et que le peuple de Dieu, bien-aimé, doit se lever. Le peuple de Dieu doit se réveiller de son sommeil spirituel. De sa fatigue spirituelle, de sa torpeur spirituelle. Bien-aimé, le peuple doit se réveiller. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et il utilise l'image, bien-aimé dans le Seigneur, de l'image des chevaux. Cette même image, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il utilise comme étant des sauterelles. Mais carrément comparé à une armée ennemie, mais qui vient pour les jugements. Mais qui vient pour infliger une plaie. Au peuple des dieux, bien-aimés, les jugements. Une armée ennemie, bien-aimée, suscitée par Dieu. Il parle l'image des sauterelles, bien-aimée. Vous savez, lorsque, bien-aimée, les sauterelles sautent sur une culture, bien-aimée, c'est pour faire des ravages. Rappelez-vous, bien-aimée, dans le Seigneur, le jugement des dieux, lorsque ils étaient, bien-aimée, dans le Seigneur, en Égypte, bien-aimé, l'une des plaies, bien-aimé, consistait, bien-aimé, aux sauterelles. Dans Exode 10, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue. Bien-aimé, il y avait un jugement, c'était les sauterelles. Alléluia. Les sauterelles, bien-aimés dans le Seigneur, sont montées sous le pays d'Égypte
et se posèrent sur toutes les tentes de l'Égypte. Ça, c'est le verset 14 d'Exode 10. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aura rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que le grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Oui, bien dans le Seigneur. Les jugements des sauterelles. Donc ici, mesdames, non, nous sommes en train de prier pas pour comparer, nous comparer à une armée ennemie, bien dans le Seigneur. Mais nous comparons, mesdames, comme cette armée puissante des sauterelles qui s'élève, bien dans le Seigneur, pour anéantir la puissance des ténèbres, pour s'élever contre les puissances des ténèbres. S'élever, bien aimé, contre la puissance de la sorcellerie. Alléluia. S'élever, bien aimé, contre la puissance de l'occultisme, contre la puissance de la magie. Bien aimé, nous devons nous lever comme une armée puissante. L'armée de Dieu, bien aimé, pour semer la terreur dans le monde occulte. Bien aimé, pour semer la terreur. Dans ce monde sous la domination du diable, sous la domination de l'ennemi. Mais nous devons nous lever comme une armée puissante. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, ne peut être possible sans le concours et le secours du Saint-Esprit. Quand nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, alléluia, où la Bible, bien aimé, nous dit que dans Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble, tous dans le même lieu. Tout à coup, la Bible nous dit, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui leur a donné de témoigner, d'avoir le courage de témoigner bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons bien aimé témoigner avec bravoure comme un véritable soldat bien aimé qui est armé, qui s'élève bien aimé dans le Seigneur pour aller dans les camps de l'ennemi. Mais lorsque David était en confrontation avec Goliath, bien aimé, David était armé. Il avait la lance, il avait ses cinq pierres. Bien aimé, qui paraissait comme étant banal, mais sauf que la différence, c'est que David avait l'onction de Dieu, parce que c'est l'onction qui fait la différence. Mais nous avons besoin, n'est-ce pas, de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons nous équiper du Saint-Esprit comme une armée puissante pour terrasser. Ce combat, bien aimé, ce n'est pas un combat où tu te lèves seul, tu te bats, non. Bien aimé, nous devons nous tous nous lever contre les puissances des ténèbres. Voyez-vous, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, bien aimé, les apôtres. Ils étaient ensemble en train de prier. Et dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, tous ensemble, toujours dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 4, le verset 31. Je parle avec, à partir du verset
Après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, ils élevèrent la voix tous ensemble. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés, tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Quand ils eurent prié, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Alléluia. Bien, nous allons nous lever, bien-aimés, comme une armée puissante. Élevons nos voix vers Dieu pour dire, Seigneur notre Dieu, alléluia, que ton Esprit Saint remplisse nos vies, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de nos vies, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de nos familles, le contrôle de ton Église. Bien-aimés, nous voulons, bien-aimés, être remplis du Saint-Esprit, enivrés, parce que, bien-aimés, lorsque quelqu'un, bien-aimés, est enivré, lorsque quelqu'un, bien-aimés, dans le Seigneur, est sous l'alcool, il est contrôlé. Il n'est plus maître de lui-même. Mais nous ne voulons pas être maître de nous-mêmes. Nous voulons être sous le contrôle du Saint-Esprit, parce qu'étant ivre de lui. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons dire, cher Saint-Esprit, remplis nos vies. Prends le contrôle de nos vies. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés. Commençons à bénir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Demandons, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies, au nom puissant de Jésus. L'esprit de grâce et de faveur. L'esprit de louange. L'esprit d'adoration, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Prends le contrôle de ma vie, le contrôle de la vie de mon frère, le contrôle de la vie de ma sœur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. L'esprit de vérité, l'esprit de grâce et de faveur. Cher Saint-Esprit, souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous avons besoin de toi. Toi, l'esprit de vérité, remplis nos vies, cher Saint-Esprit. Remplis nos vies, cher Saint-Esprit. Comble nos vies de ta vie. L'esprit de vérité, nous nous attendons à toi. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Viens combler nos vies. Oh, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, d'adoration, l'esprit d'amour et de paix. Saint-Esprit, viens combler nos vies. Saint-Esprit, viens remplir nos vies. S'il te plaît, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, d'adoration. Cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Oh, l'esprit de grâce, oh, l'esprit de faveur, oh, l'esprit de louange, oh, l'esprit d'adoration, Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Oh, l'esprit de, alléluia, Saint-Esprit, remplis nos vies, nous nous attendons à ta plénitude. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens remplir nos vies, viens remplir nos vies, viens inonder nos vies, viens inonder nos vies, viens inonder nos vies, cher Saint-Esprit, inonde nos vies, cher Saint-Esprit, remplis nos vies, nous avons soif et faim de ta présence, alléluia, remplis nos vies, oint Saint-Esprit, oint ton peuple, oint ton armée, oint ton armée, oint ton armée, cher Saint-Esprit, merci de oindre ton armée au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, oint ton armée, oint ton armée, oint ton armée terrestre, oint ton armée terrestre que nous sommes, oint ton armée, Saint-Esprit de Dieu, oint Seigneur, oint ton peuple, oint ton église, oint ton armée terrestre, au puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens, s'il te plaît, viens oindre ton armée, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, d'adoration.
Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de nos vies. Nous nous attendons véritablement à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de oindre ton armée, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de oindre ton peuple, de oindre ton Église. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, cher Saint-Esprit, nous avons soif et faim de toi. Nous avons soif et faim de ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de louange, cher Saint-Esprit, merci. Alléluia, nous avons besoin de toi. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons venir proclamer la vie. Alléluia, nous allons proclamer la vie dans l'Église. Alléluia, nous allons venir proclamer la vie dans l'Église. On a pu devenir la vie dans son armée. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu s'élève comme le chef de l'armée. Alléluia. Bienvenue, nous allons élever nos voix. Nous allons proclamer la vie. Alléluia. Seigneur, inonde-nous de ta vie. Mais nous allons venir prier que Dieu nous inonde de sa vie. Élevons-nous. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous de la vie de Dieu. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Cher Saint-Esprit, viens nous inonder. Viens nous inonder. L'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous de la vie de Dieu, Zoé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, inonde. Inonde mon frère. Inonde ma soeur. Inonde ton peuple. Inonde ton Église, inonde de la vie de Dieu, Zoé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder. Viens nous inonder de la vie de Dieu, Zoé. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Inonde nos vies, inonde nos vies, inonde de la vie de Dieu. Je proclame la vie de Dieu, Zoé. Je proclame la vie de Dieu, Zoé, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de Dieu, Zoé. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder, au nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder de la vie de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, inonde-nous de la vie de Dieu. Nous avons besoin de ta vie, l'esprit de victoire, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, inonde-nous de la vie de Dieu, Zoé. Nous nous attendons à ta vie, cette vie que personne ne peut nous donner, cette vie qui ne peut venir que de toi. Cher Saint-Esprit, inonde-nous de la vie de Dieu, Zoé, au nom puissant de Jésus. Merci d'inonder ton peuple. Merci, Saint-Esprit, de nous inonder au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons venir prier. Nous avons dit, n'est-ce pas, bien-aimé, lève-nous comme une armée puissante. Mais nous allons venir prier, n'est-ce pas? Notre combat n'est pas, bien-aimé, n'est pas charnel. Mais nous avons à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les dominations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes au combat spirituel. Mais nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que le chef de l'armée s'élève. Nous voulons, bien-aimé, dans le Seigneur, être à sa suite. Alors, nous voulons, bien-aimé, suivre le chef de l'armée de l'Éternel. C'est Jésus, bien-aimé, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Mais nous allons venir prier que le Seigneur Jésus-Christ s'élève dans nos vies, s'élève au milieu de nous, s'élève dans l'Église où nous poussons. Nous voulons être à sa suite. Alléluia. Nous voulons venir que nous puissions marcher à sa suite. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Celui venu dans le Seigneur qui est notre roi. Mais c'est lui qui est le chef de l'armée. Alléluia. Nous allons venir prier pour dire, Seigneur, je vais marcher à ta suite. Nous voulons marcher à ta suite chaque jour. Au nom puissant de Jésus, que toi tu sois le véritable général d'armée. Alléluia. Bien-aimés, élevons-nous en prière, n'est-ce pas, que nous puissions marcher, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. À la suite, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'esprit de vérité, l'esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, nous avons soif et faim de toi. Nous voulons marcher à ta suite. Toi, l'esprit de vérité. Toi, l'esprit de grâce. Toi, l'esprit de faveur. Toi, l'esprit de louange. Toi, l'esprit d'adoration. Saint-Esprit, nous voulons marcher à ta suite tous les jours dans notre vie, au nom puissant de Jésus. L'esprit de vérité. Cher Saint-Esprit, nous voulons marcher à ta suite chaque jour, au nom puissant de Jésus. Oh, l'esprit de grâce et de faveur.
Merci, Saint-Esprit. Donne-nous de marcher tous les jours à ta suite. Nous voulons marcher à ta suite. Toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi le chef de l'armée de l'Éternel. Nous voulons tous les jours marcher à ta suite. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons tous les jours être sous ta bannière. Être sous ta bannière. Être sous ta bannière. Marcher à ta suite. Être sous ton commandement. Être sous ton obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher à ta suite. Ô maître du ciel et de la terre. Merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre. Nous voulons marcher à ta suite, éternel et Dieu tout-puissant. Merci pour ta victoire, Dieu grand et redoutable. Nous voulons marcher à ta suite tous les jours dans notre vie, au nom puissant de Jésus, ô grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons marcher à ta suite tous les jours, ô Seigneur Jésus. Nous voulons marcher à ta suite comme une véritable armée disciplinée. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons être sous tes ordres. Nous voulons être sous ton commandement. C'est toi les chefs, alléluia, les chefs de l'armée de l'Éternel. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de nous conduire tous les jours dans notre vie, en marchant à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, en marchant à la suite, alléluia, du général d'armée, le commandant suprême. Alléluia, le commandant suprême, alléluia. Nous voulons marcher tous les jours à sa suite, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Et merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, lève-toi. Alléluia. Bienvenue dans l'homme de prier maintenant que Dieu s'élève. Tu vas dire, c'est notre lequel est, que tu t'élèves. Alléluia. Et que nous puissions marcher à ta suite. Élève-le, prie, n'est-ce pas, que Dieu s'élève, n'est-ce pas, dans ta vie, dans tes projets. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Éternel, notre Dieu, lève-toi. Que tu t'élèves dans ma vie. Que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tu t'élèves, maître du ciel et de la terre. Lève-toi dans les moindres détails de nos vies. Lève-toi, s'il te plaît. Dieu grand et redoutable, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves dans les moindres détails. Lève-toi, toi, le grand roi. Lève-toi, toi qui es assis sur le trône éternel. Lève-toi, toi qui vis et qui règne à jamais. Lève-toi. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons marcher à ta suite tous les jours de notre vie. Que tu t'élèves dans les moindres détails. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous voulons véritablement marcher à ta suite tous les jours de notre vie. Au nom puissant de Jésus, que tu t'élèves, que tu t'élèves, que tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Que tu t'élèves, toi, le grand roi. Lève-toi, ô éternel Dieu, grand redoutable. Merci de t'élever et de te manifester. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu t'élèves dans nos familles, que tu t'élèves dans nos projets, que tu t'élèves dans tout ce que nous faisons. Lève-toi dans nos projets, lève-toi dans nos familles au nom puissant de Jésus. Ô le chef de l'armée d'Éternel, que tu t'élèves. Nous voulons marcher à ta suite tous les jours de notre vie. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, maître du ciel et de la terre. Que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, merci de t'élever et de te manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Et nous allons venir prier, n'est-ce pas, que Dieu puisse nous équiper. C'est vrai, comme une armée puissante, nous sommes venus dans le sein derrière les chefs de l'armée de l'Éternel, mais nous devons être équipés. Alléluia. Nous devons être équipés. C'est pourquoi, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi. C'est pour, il est écrit, bienvenue dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Dans Éphésiens 6. Il est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités.
contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi tenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les selles que donne l'évangile de paix. Elle continue en disant, bienvenue dans le Seigneur. Au verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Elle dit, prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole des dieux. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 15, on dit, mais vous avez vu tout à l'heure, les ailes. 14 nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la courage et la justice. Et le verset 15 nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Et puis prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous équiper. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, dans Proverbe, le cheval est équipé pour les jours de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons bien aimé prier, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous équipe de sa parole. La foi. Mais nous allons bien aimer prier pour l'équipement spirituel. Bien aimer que le Saint-Esprit nous équipe au nom puissant de Jésus. La vérité vient dans le Seigneur pour chaussures. La cuirasse de la justice. Bien aimer la justice. L'évangile de paix. Nous allons lever nos bien prier en espérant pour l'équipement. Que le Saint-Esprit puisse véritablement nous équiper, bien dans le Seigneur, à tout point. Élevons-nous, bien-aimés, commence à prier, n'est-ce pas? Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, notre Dieu, alléluia, pour l'équipement, Seigneur. Nous prions pour l'équipement, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin d'être équipés, maître du ciel et de la terre. Nous avons besoin d'être équipés. Nous prions pour l'équipement, au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à l'équipement. Aide-nous à l'équipement. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Aide-nous, éternel Dieu tout-puissant. Aide-nous, éternel Dieu redoutable. Merci pour ton règne. Merci pour ta victoire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, lève-toi. Lève-toi dans chaque détail, dans chaque aspect. Au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Merci, éternel, notre Dieu, ô Maître du ciel et de la terre. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Mais nous allons venir me prier, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons venir prier maintenant pour là. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons venir prier. Bien-aimés, que nous puissions combattre sous la bannière du nom de Jésus. Nous allons bien-aimés élever la bannière, n'est-ce pas, comme une armée puissante. Alléluia. Nous allons prier pour lui, c'est notre Dieu. Nous voulons combattre sous ta bannière. Et voilà pourquoi nous élevons la bannière du nom de Jésus. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés, élevons-nous, prions, n'est-ce pas, pour élever la bannière du nom de Jésus. Dieu tout-puissant, nous élevons nos voix vers toi, au nom puissant de Jésus. Je viens élever l'étendard du nom de Jésus-Christ dans ma vie, dans mon ministère, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, puissant de Jacob. Lève-toi, grand roi de l'univers. Mon âme te bénit, mon âme te loue.
Mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Que tu t'élèves, éternel Dieu, grand redoutable. Lève-toi, maître du ciel et de la terre. Lève-toi, puissant de Jacob. Alléluia. Nous comptons sur toi, éternel Dieu, grand redoutable. Nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur ton soutien chaque jour de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Oh, merci, Seigneur de Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Alléluia. Nous combattons sous ta bannière. C'est sous la bannière de Jésus-Christ que nous sommes en train de combattre. J'ai brandi la bannière du nom de l'Éternel dans ma vie. Au nom de Yahvéh Nissi, j'ai brandi ta bannière dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans ma maison, dans ma famille. J'ai brandi la bannière du nom de l'Éternel. J'ai brandi la bannière du nom de Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai brandi la bannière du nom de Jésus. Je déclare que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Je brandi ta bannière, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme une armée, bien-aimé puissante, nous allons bien-aimé prier. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit nous neutralise dans toute armée ennemie qui se dresse contre nos vies et contre nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Nous allons neutraliser toute attaque de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Toute attaque occulte. Proclamons trois fois Jésus est Seigneur. Un, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire. Les dieux de gloire, les dieux de miséricorde, les dieux de l'impossible. Dieu Tout-Puissant, merci. Ô Maître du ciel et de la terre. Ô Puissant de Jacob, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur notre Dieu. Merci de nous faire du bien, de glorifier ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Robo Yakaraba Yandaba. Oh, Robo Yandaba Yoko Robo Shikababa. Oh, Robo Yandaba Yoko Robo Shikababa. Oh, Robo Yandaba Yakaraba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Nous allons détruire tout le plan de l'ennemi. Nous allons encore détruire tout le plan de l'occultisme et de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, commence à tendre, Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous détruisons tout le plan de l'ennemi. Nous nous levons contre le plan de l'occultisme. Nous brisons la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, les dieux de victoire. Nous détruisons tout le plan de l'ennemi et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous détruisons tout ce que l'ennemi, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies comme nos familles. Nous détruisons le plan de l'ennemi et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous détruisons le plan de l'ennemi, maître du ciel et de la terre. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je détruis tout le plan de l'ennemi. Je proclame et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Je détruis le plan de l'ennemi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, je détruis tout le plan de l'ennemi. Je proclame que Jésus-Christ roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Que le plan de l'ennemi soit détruit, que le plan de l'ennemi soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Nous détruisons tout le plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Christ, que le plan de l'ennemi soit détruit, que le plan de l'ennemi soit neutralisé, tout ce que l'ennemi a planifié dans nos vies, dans nos familles, soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les œuvres de la sorcellerie, nous détruisons, nous invoquons le feu de Voran, pour consumer les œuvres de la sorcellerie, pour consumer les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le feu de Voran, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, maître du ciel et de la terre, que ton feu consume les œuvres de la sorcellerie, que ton feu consume les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le feu, nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, ô Dieu tout-puissant, merci, que ton feu consume les œuvres de la sorcellerie. Nous invoquons le feu, maître du ciel et de la terre, que ton feu consume les œuvres de la sorcellerie, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ton feu, merci pour ton feu, merci pour ton feu, que le feu neutralise tout ce que l'ennemi a préparé contre nos vies et contre nos familles, au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'homme. Nous détruisons tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies et contre nos familles. Nous détruisons les œuvres de la magie. Les œuvres de la magie soient brisées, soient neutralisées. Les puissants de l'occultisme et de la sorcellerie, nous les brisons, les neutralisons, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons que Jésus-Christ est roi. Dieu tout-puissant, que tout ce que l'ennemi a planifié soit déprogrammé. Nous déprogrammons tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies, contre nos familles. Tendre Père, merci, éternel notre Dieu. Nous élevons la bannière du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à croix et pour ta fidélité. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Bienvenue dans le ciel, vous revoir, bienvenue. Demandons que le Saint-Esprit allez nous couvre, n'est-ce pas, bienvenue, de sa grâce. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous couvre, nous protège au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci de nous couvrir de ta grâce. Saint-Esprit, merci de nous avoir équipés au nom puissant de Jésus. Alléluia. De ta parole, de ton onction, au nom puissant de Jésus. Couvre-nous de ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, de nous couvrir de ta grâce au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne et ton autorité, les dieux de victoire. Seigneur, merci pour ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Bénissons le Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir guidés dans ces programmes de prière. Merci, Saint-Esprit, pour ta direction. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de ta vie, nos puissants Jésus. Toi, l'esprit de victoire, toi, l'esprit de louange. Nous détruisons, alléluia, tout ce que l'ennemi a planifié, nos puissants. Nous détruisons la mort, nous brisons la puissance de la mort. Nous en appelons à la vie de Dieu, Zoé, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Bénis dans le ciel, soyez bénis. Maman Esther, ouais, en bas. Pasteur Blandine, que Dieu bénisse. Maman Colette. Docteur Étienne, mon frère Didier Orif, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Bita, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu se souvienne de vous abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Soyez bénis de tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il vous fasse véritablement du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci, Saint-Esprit. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse sur vous sa face. Qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Bonne fête de Pentecôte. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. À très bientôt. Merci.